Bonjour à tous, un petit mode d'emploi pour les réunions parents-prof. Donc je vous invite à ouvrir le navigateur Chrome, bien vérifier que vous êtes connecté avec le compte professionnel, sinon changez de compte. Ensuite vous ouvrez l'agenda de ce compte, vous allez vous placer au 3 avril, bon là je vais mettre l'agenda en mode jour pour que ça soit plus clair. Je vais créer un événement sur ce samedi 3 avril de 8h30 à 12h30. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr faire moins en fonction du nombre de rendez-vous. Je vais indiquer un titre à cet événement réunion parents-prof de terminale. Je vais choisir l'onglet créneau horaire. Je vais aussi mettre donc le créneau de 8h30 à 12h30. Puis je vais choisir 10 minutes comme durée de rendez-vous. J'enregistre. Je vais cliquer dessus, modifier avec le petit crayon le compte pour rajouter simplement dans l'événement qu'il ne faut pas oublier que les parents indiquent les noms, prénoms et classes de l'élève concerné pour éviter qu'on se trompe de rendez-vous. Et puis je vais enregistrer. Et je vais pouvoir copier le lien et l'envoyer aux parents d'élèves. Alors pour copier le lien, vous allez voir qu'il suffit que je reclique dessus et le lien va apparaître sur une fenêtre. Je clique avec le bouton droit et je choisis « Copier le lien ». Voilà, je copie le lien pour accéder à la page de prise de rendez-vous en cliquant sur le bouton droit de la souris. Je vais utiliser mon bureau numérique. Voilà, donc je me retrouve sur mon bureau numérique. Numérique, comme vous avez l'habitude de le faire, eh bien, il faudra choisir rédiger un message avec l'assistant destinataire que je suis en train d'utiliser. Donc là, j'utilise la classe de 705 par exemple. Je choisis dans les parents tous, ce qui me permet de choisir les parents à qui doit être envoyé ce lien. Donc vous voyez, je choisis mes différents parents. Si j'ai une autre classe concernée, donc là, fais la même chose sur cette autre classe, je vais pouvoir envoyer le même message à ces parents-là. Je choisis encore une fois les parents concernés. Je vais ensuite fermer l'assistant. Alors, je vais indiquer l'objet, évidemment, réunion parents-prof de terminale. J'ai aussi copié un message préalablement que je vais devoir directement coller sur le contenu. Là, j'ai fait un petit copier-coller. Et je vais rendre cliquable le lien en sélectionnant le lien et en cliquant sur le bouton de lien, en le copiant d'abord et en le collant sur le lien. Voilà, je l'ai rendu cliquable ici et donc les parents n'auront plus qu'à coller le lien. Puis il suffira d'envoyer message correspondant, il n'y a pas de souci particulier, c'est comme on utilise mon bureau numérique habituellement. J'ouvre à nouveau mon compte, mon agenda professionnel avec le compte professeur. Je vois que là, durant l'événement, un rendez-vous s'est créé avec un parent d'élève que j'ouvre. Et il me suffit de cliquer sur « Participer » sur Google Meet pour ouvrir une visioconférence et retrouver le parent d'élève concerné. Bien sûr, il peut attendre un moment ou au contraire, c'est vous qui devez attendre.